Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ligne et en direct pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Alors, je suis très heureux ce soir que, en cette journée internationale des droits des femmes, comme tous les ans pour le 8 mars, que ce soir nous puissions poursuivre le cycle entamé dès le mois de janvier sur les luttes féministes. Donc, ce cycle intitulé Le féminisme n'a jamais tué personne. Cycle dont nous avons programmé et organisé le programme très étroitement avec Elsa Dorlin. Elsa Dorlin qui est philosophe, professeure de philosophie sociale et politique à l'université Paris 8. Alors je remercie aussi très chaleureusement nos partenaires qui nous accompagnent depuis la première séance, nos partenaires qui sont le mensuel Cosette et la newsletter en ligne Les Glorieuses. Et vous pouvez vous abonner bien sûr à l'un et à l'autre. Alors, cette nouvelle séance est intitulée Quand imaginaire et plaisir féministe se libèrent. Et ce soir, nous allons parler de choses diverses, en particulier sans doute sur des questions de tabous, de sujets qui étaient jusque il y a peu abordés, les questions de règles, de clitoris, de plaisir féminin, mais aussi des questions d'imaginaire, puisque c'est le terme que nous avons mis dans le titre de cette rencontre, imaginaire féministe et féminin, et des questions d'utopie. Donc il sera question de sujets intimes, mais aussi de sujets sociaux et politiques, et aussi d'ailleurs comment aborder ces sujets à l'heure actuelle. Et pour cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir Fania Noël, Elvire Duvel-Charles et Élise Thiébaut, que je ne présente pas plus, puisque je laisserai ce soin à l'animatrice de ce soir, qui est Charlotte Bien-Aimée. Bonsoir, Charlotte Bien-Aimée. Bonsoir. Vous êtes documentariste radio pour France Culture et Arte Radio. Vous êtes aussi autrice d'un ouvrage en 2016 aux éditions Les Arènes, Féministes du monde arabe, enquête sur une génération qui change le monde. Et vous êtes aussi depuis 2017 autrice du podcast Un podcast à soi sur Arte Radio. C'est un podcast mensuel qui mêle entretien, témoignages et citations pour porter des sujets divers, mais avec une approche bien sûr féministe. Quelques exemples, l'écoféminisme, mais aussi la religion, le sport, le handicap, la gynécologie, etc. C'est un podcast qui s'est arrêté en juin de l'année dernière, juin 2020, mais qui va reprendre dès le mois de mai prochain. Donc, comme ça, j'annonce ça à vos fans qui, je pense, attendaient impatiemment ces nouveaux épisodes. Avant de vous laisser la parole, je précise simplement à tout notre public qu'il n'hésite pas à poser des questions en direct aux intervenantes sur le chat du compte Facebook de la Bibliothèque publique d'information. Et comme ça, Charlotte pourra prendre certaines de ces questions pour les poser à nos intervenantes. Charlotte, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre avec trois femmes qui ont participé à ouvrir aussi mes imaginaires féministes personnels. Alors, je vais tout de suite commencer par les présenter. Alors, j'accueille tout d'abord Fania Noël Thomassin. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Charlotte. Fania, bonsoir. Alors, vous êtes militante afroféministe, panafricaine, vous êtes autrice aussi, vous êtes directrice de publication de la revue Assiégée que vous avez cofondée. Vous animez aussi depuis 2020, 2020 si je ne me trompe pas, le podcast Noir Atlantique. Oui. Voilà, et vous êtes autrice, donc plus récemment, alors la revue Assiégée, je voulais la montrer parce qu'elle est très belle, voilà, la revue Assiégée, le dernier numéro, je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est Utopie, donc c'est quand même plein dans notre thématique de ce soir. Et puis donc vous êtes l'autrice avec le collectif Afroféministe, Moissy, de l'ouvrage Afrofemme, et puis plus récemment aussi, vous avez publié Afro-communautaire. Appartenir à nous-mêmes aux éditions Sileps. Voilà, donc on va parler de tout ça ce soir. Ensuite, j'accueille aussi Élise Thiébaut. Bonsoir Élise. Bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes autrice et journaliste. Vous avez publié plusieurs ouvrages aussi. Je les ai là, comme ça on les voit bien aussi. Alors voilà, l'ouvrage Ceci est mon sang. Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Plus récemment aussi, Mes ancêtres les Gauloises, que je vous montre aussi. Et c'est demain, si je ne me trompe pas, que sort votre dernier livre, L'Amazone verte, qui est le portrait
de l'écoféministe Françoise Debaune, la pionnière de l'écoféminisme. Et ensuite, j'accueille donc Elvire Duvel-Charles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes activiste, journaliste, réalisatrice. Vous avez coproduit Clit Révolution, qui est une série documentaire qui a été diffusée sur France TV / qui est aussi un compte Instagram maintenant, et qui a aussi été donc un manuel d'activiste féministe ici qui a été publié il y a 2 ans. Il y a un an, il y a un an. Voilà. Alors du coup, pour commencer, j'aimerais bien vous demander de me dire de façon assez courte, même si ça pourrait être beaucoup plus long, parce que ça amène beaucoup de réponses, mais j'avais envie de vous demander à toutes les trois, si vous avez envie de partager une lecture ou un moment, un lieu qui a façonné, qui a participé à votre construction féministe, à votre déclic féministe. Comme je vous pose la question, je vais vous dire le mien. Moi, je pense beaucoup à l'écrivaine Audre Lorde, qui m'a beaucoup portée, et à la rencontre avec un collectif féministe qui s'appelle Les Femmes en Lutte 93 à Saint-Denis. Pour un petit exemple, j'avais envie de vous partager ça, puis dire ce qui s'est passé pour vous à ce moment, à cette lecture-là, ou à ce moment précis d'une manifestation ou d'un rassemblement. Peut-être, Elvire, vous pouvez partager un souvenir, déclic féministe peut-être. Alors, moi, mon réel déclic féministe, ça n'a pas été tant par la lecture que par le fait de voir des femmes faire des actions, et moi, en l'occurrence, c'était des fémines qui étaient devant le domicile de DSK. Un deuxième déclic féministe que j'ai pu avoir, c'était en lisant Bell Hooks de La Marge au Centre, qui a réaligné en fait plein d'idées que j'avais, de sentiments qui étaient un peu confus sur les questions d'intersectionnalité, sur les questions aussi de rapport de pouvoir dans les groupes féministes, entre féministes, et dans les groupes tout court en fait. Et c'est un peu, c'est un livre qui m'a été hyper éclairant pour moi et qui m'a un peu fait changer de regard sur mes pratiques. Et ça, je pense que ça participe aussi de l'imaginaire, justement, et des plaisirs. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là, du coup? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le corps, au moment de ces découvertes-là? Qu'elles soient de terrain ou... Pour moi, c'est pas tant... Mais en fait, je pense qu'on fait vraiment des découvertes par le terrain, c'est-à-dire par... on expérimente le sexisme, on expérimente le racisme. En fait, c'est des choses qu'on vit depuis très jeune, et c'est juste, je pense, avoir des personnes qui arrivent à mettre des mots sur ça et qui arrive à expliquer ces mécanismes-là de domination, ça permet aussi de valider d'une certaine manière son ressenti, c'est-à-dire de se dire en fait c'est pas moi qui ai l'impression que c'est bizarre, c'est pas moi, c'est pas anormal que je me sente pas à l'aise, je sais pas, quand je prends le métro, ou en fait ce sont des choses qui sont justifiées et qui ne sont pas anodines, c'est-à-dire c'est pas des événements qui m'arrivent dans la vie et puis c'est comme ça, et c'est un peu un hasard, en fait, non, il n'y a pas de hasard là-dedans, et c'est quelque chose qui est pensé, qui est structuré, et je pense que ça permet aussi de mieux envisager justement comment faire pour le contrer, c'est-à-dire comment faire pour déconstruire ça, et comment dire, comment construire une utopie, en fait, et je pense qu'on ne peut pas construire d'utopie si on ne comprend pas la racine du mal, si je puis dire. Fania Noël, peut-être, sur cette question de déclic. Je sais pas. En fait, je sais pas s'il y a des déclics. On dit en sociologie que ça n'existe pas, les déclics. Il y a juste des parcours, et après, il y a la façon dont on nomme la nomination, en fait. C'est juste, il y a un jour où on fait la nomination, et je pense que c'est un point important de se nommer, de dire je suis afroféministe ou je suis féministe. C'est un point important de construction identitaire militante, j'imagine, ou même de son rapport au monde. Mais après, je dirais que, on va dire, si on va parler de tous les petits cailloux qu'il y a eu sur les chemins, et il y en a qui sont plus gros que d'autres. Et je pense que les livres d'Edwige d'Antica, qui est une autrice haïtiano-américaine, haïtienne qui vit aux États-Unis et maintenant haïtiano-américaine, qui ont été assez importants. Et je pense que vraiment, ça va paraître bizarre parce que je suis censée être une sociologue, mais j'apprends beaucoup plus de choses dans les romans. Et je préfère
je préfère lire les romans, bien que sans vouloir offenser mes collègues, il y a des choses très 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 intéressantes en termes de théorie et de conceptualisation dans les livres de sciences humaines et sociales et de très importantes. Mais la chair que ça prend dans des romans de Toni Morrison, de Yannick Lahane, de Mariam Hamba, par exemple, ça prend une chair qui reste plus, qui reste accrochée, qui reste accrochée, même qu'on a fermé le livre, ça reste accroché dans son cerveau, mais ça reste accroché quand même under the skin, en dessous de la peau. Et voilà, donc si c'est des clics, ce serait ça. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, de qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça va vous a apporté, quel souvenir concret, par exemple, je ne sais pas, d'un roman ou une phrase que vous avez under the Ben, skin? je pense qu'il y avait le roman d'Edwige Nantica, Adieu mon frère, qui raconte comment elle a grandi en Haïti, mais à un moment elle a dû immigrer aux États-Unis, être loin de ses parents. Ça reste sur les lois Luhmann, sur le fait qu'il faut repenser la famille et qu'il y a une conception de la famille qui est extrêmement différente. Qui est pas extrêmement, mais qui est différente dans le nord global, dans les pays occidentaux et dans les pays du sud global, dans les pays noirs, mais dans des pays comme Haïti, au vu culturel de la façon dont les féministes haïtiennes disent que les foyers haïtiens sont majoritairement, on va dire, des familles monoparentales, et pas dans le sens où les hommes ne sont pas là, mais dans le sens où leur vie, elle est tellement à l'extérieur que c'est des femmes et beaucoup de regroupements de femmes qui élèvent des enfants, et aussi que la notion de parentalité est extrêmement étendue. Elle est extrêmement étendue aussi avec la migration, parce que parfois il faut envoyer ses enfants sans soi, ou parfois on part sans ses enfants, et ça fait repenser beaucoup de choses à qu'est-ce que c'est être parent, à partir de quand on arrête d'être parent, qu'est-ce que la migration fait au lien de parentalité, qu'est-ce qu'elle fait aussi à des nouvelles reconfigurations en termes d'exploitation patriarcale, parce que aussi il faut dire que le patriarcat ne se déploie pas de la même façon que le fait de, par exemple, ne pas vouloir que sa compagne travaille, c'est une forme de patriarcat, mais il y a des formes de patriarcat qui sont centrées sur le fait que les femmes travaillent et qu'il y a un transfert de ressources vers les hommes qui ne travaillent pas, mais qui sont quand même les managers de l'argent. Donc, en fait, c'est ça aussi de comprendre que culturellement, que ça s'adapte, que le patriarcat il s'adapte en fonction non seulement des classes sociales, en fonction de l'environnement en fonction de la minorité. Comme moi, je suis noire, c'est pas la même chose. Les luttes féministes sont pas pareilles en Haïti que aux États-Unis où j'habite ou en France où j'étais, mais que il y a des destins communs qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Malgré le contexte. Le contexte fait beaucoup, mais le contexte ne fait pas tout. On va revenir justement tout à l'heure sur la question des luttes féministes en Haïti. Justement, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Mais avant, peut-être Élise, pardon, vous, votre petit caillou, alors, le plus Oui. gros des petits cailloux, ce serait quoi? Je partage tout à fait l'idée de Fania que le déclic, je ne l'ai pas, je serais incapable de l'identifier. Je pense qu'il y a des lectures effectivement qui ont été importantes. Alors on va voir que moi je suis d'une autre génération parce que la découverte du texte fondamental de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, quand j'avais 17 ans, je me souviens de l'avoir lu. J'ai retrouvé l'édition que j'ai toujours, l'édition de poche du deuxième sexe annotée. Par moi, quand j'avais 17 ans, a été vraiment, alors pour le coup, un vrai choc. Je l'ai relu plusieurs fois pour comprendre la condition qui était la mienne et que je n'avais pas identifiée. J'avais eu des déclics dans ma vie personnelle. J'avais eu aussi des déclics en voyant la vie de mes parents et à quel point leur situation était inégalitaire, alors que c'était des personnes qui prétendaient être très égalitaires, qui étaient très engagées politiquement. Et puis, dans le deuxième déclic est venu beaucoup plus tard, enfin le deuxième déclic, la deuxième rencontre textuelle qui a compté pour moi, c'est quand j'ai entendu pour la première fois interpréter ou lu
j'ai entendu pour la première fois une lecture des monologues du vagin de Eve Ensler. J'avais, je pense, 30, je ne sais pas quand est-ce que c'était, peut-être 40 ans. C'était juste au début. Et je suis arrivée, j'ai éprouvé quelque chose physiquement dans mon corps. J'ai ressenti une émotion qui m'a traversée, qui m'a même d'une certaine manière foudroyée. D'abord, j'ai énormément ri et je suis sortie en larmes. Encore aujourd'hui, quand je lis ce texte ou quand je l'entends, il me fait quelque chose d'extraordinaire. J'avais vraiment l'impression que toute une parole ou une intimité tue, opprimée, circulait en moi et me faisait vibrer. Et je pense que ces deux lectures, une lecture de Simone de Beauvoir que je dirais d'une certaine manière très froide, mais qui m'avait totalement passionnée, mais très froide et très défaite du corps, distancée du corps, et le contraire, ça a été le mélange, le filtre d'amour, comme on dirait dans un conte de fées, qui a créé ma propre possibilité de mettre en contact deux choses qui, dans mon esprit, sont centrales dans le féminisme, qui est à la fois une analyse sociologique et puis et politique profondément, mais qui ne devient active d'une certaine manière qu'avec le corps. Et ça a plein de ça a eu plein d'implications pour moi. Voilà, je dirais que c'est... Oui, pardon, je vous ai... Oui, merci beaucoup. Non, peut-être pour rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore découvert les monologues du vagin, voilà, c'est plein de petits et grands récits autour de, comment définir, autour des expériences de vie des femmes de manière par rapport au corps, la sexualité, la masturbation, enfin voilà, c'est plein de petits moments de vie peut-être. Je ne sais pas si on peut le décrire comme ça, mais voilà. Oui, elle a interviewé beaucoup de personnes, et c'est un récit qui est d'une certaine manière très poétique, qui redonne la parole autour de ce qu'on appelle quelquefois le deuxième cœur, et qui nomme le vagin. Enfin, on ne le nommait pas, faut le dire. Moi, j'ai cette expérience d'avoir vécu très longtemps quand on ne nommait pas du tout. Même, et ça a quand même beaucoup changé dans les dernières années. Alors justement, ça, c'est assez, même assez récent, et c'est exactement peut-être le travail que vous faites aussi en ce moment, Elvire, sur le fait de réinventer, enfin d'ouvrir un peu les champs des possibles en termes de sexualité, d'imaginaire, érotique, féministe. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de votre travail, notamment en préparant notre rencontre. Vous m'avez beaucoup parlé de la question du consentement, des fantasmes. Voilà, qu'est-ce que ce serait pour vous ? Qu'est-ce que c'est pour vous un nouvel imaginaire érotique féministe, et comment vous le mettez en place à travers les différents outils que vous utilisez ? Oui, en fait, ce que tu dis, Élise, c'est hyper intéressant, puisqu'en effet, je pense qu'il y a eu un vrai problème sur... Fania, tu en parlais aussi sur le fait de nommer les choses et d'arriver à... Enfin, je pense que les nommer, ça nous permet aussi de mieux les comprendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre depuis 2 ans une révolution que moi j'appelle la révolution du clitoris, mais auquel on peut donner le nom qu'on veut, une forme de révolution sexuelle qui suit MeToo, qui s'inscrit dans la continuité de MeToo. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, MeToo, ça a permis de reclarifier qu'est-ce que c'est que le consentement et qu'est-ce que c'est que le non-consentement. Et en fait, je sais qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein d'a priori. Par exemple, même moi, le harcèlement sexuel, pour moi, c'était de la drague lourde. Et ce que je pensais être du harcèlement sexuel, c'était en réalité de l'agression sexuelle sur le lieu de travail. Et en fait, c'est cette redéfinition même légale de toutes les violences sexuelles, elle a été, je pense, hyper... révélatrice pour beaucoup d'entre nous, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'on a été beaucoup plus souvent victime de violences sexuelles que ce qu'on ne pense, et je pense que c'était aussi un espace dans lequel on s'est remis à parler de sexualité, puisqu'en fait j'ai l'impression que depuis les années 70, il y a eu 70, le droit à la contraception, etc., on a parlé de sexualité, on a eu
des ateliers d'auto-exploration où on se regardait à quoi ressemblait son vagin, etc. Et puis en fait, après, il y a eu une espèce de une pause un peu où on s'est plus concentré, j'ai l'impression, sur l'égalité salariale, etc., sur des questions plus sociétales. Et on a mis un peu la vie privée et intime, surtout la vie sexuelle, de côté. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, quand je dis nous, je parle de Clit Révolution, mais aussi de plein d'autres militantes féministes qui se sont d'ailleurs, j'ai l'impression, beaucoup emparées d'Instagram, en fait, pour faire ce travail-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, OK, d'accord, donc maintenant, on a compris comment fonctionnait le consentement. On réalise aussi qu'on a grandi avec une culture du viol, c'est-à-dire qu'en fait, notre modèle de la séduction, c'est quelqu'un qui te plaque contre un mur sans te prévenir, et en fait, ça, c'est une agression sexuelle, mais c'est ça qui est sexy quand tu regardes un film. Et du coup, mais on sait tout ce qu'on ne doit pas faire, mais comment on peut faire autrement? Et en fait, c'est là qu'il y a un travail qui est hyper intéressant, de se dire, ça remet en question ton rapport au plaisir aussi, je sais qu'il y a, nous on a eu énormément d'abonnés avec qui on a commencé à parler et qui disent bah en fait on se rend compte que je me force de moi-même, c'est-à-dire en fait je n'ai pas été violée puisque à aucun moment j'ai exprimé le fait que je n'étais pas consentante et même parfois c'est moi qui ai initié un acte sexuel mais c'est moi qui ça m'a perturbée, pardon, on a perdu Fania, ça m'a perturbée, mais en gros je n'étais pas j'étais consentante, mais je me suis forcée parce que j'ai ressenti une injonction, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, que machin, etc. Et je pense que ça a redéfini aussi, ça a permis de nous questionner sur notre rapport à notre sexualité, à la norme aussi. Et le travail de Clit Révolution, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est de se dire, OK, en fait, il faut arrêter de dire que le sexe, c'est quelque chose de simplement privé. Oui, c'est privé, mais le privé est politique, le personnel est politique. Et en fait, les blocages qu'on peut avoir ou les violences qu'on peut s'infliger aussi soi-même parce qu'on a l'impression qu'il faut répondre à des injonctions, etc. Le dégoût qu'on peut avoir pour son sexe aussi, ou pour le fait de prendre du plaisir, ce sont des sujets politiques. Et donc, en fait, il faut qu'on en parle. Et l'éducation sexuelle, c'est un sujet politique. Et c'est pas juste, comme peuvent dire certains opposants de la Manif pour tous, on veut apprendre nos enfants à se masturber. En fait, non, c'est pas ça. C'est une éducation aussi au consentement et au plaisir. Et comprendre aussi les enjeux qu'il y a derrière la sexualité. Ça n'a rien d'obscène, en fait. Et c'est important d'en parler et de le traiter comme un sujet sérieux parce qu'en fait, c'est un réel enjeu sur nos corps. Et pour moi, le centre même du féminisme, c'est les corps de femmes. Et justement, donc à la fois dans votre travail sur le documentaire, vous êtes allé voir plein de femmes, justement, qui essaie de justement de réfléchir à de nouveaux imaginaires érotiques qui parlent de plaisir, qui parlent de consentement, etc. Dans le livre aussi, le manuel, il y a plein de petites astuces en tout cas pour mettre en place ces choses-là. Et aussi sur le compte Instagram, peut-être très concrètement, du coup, quand vous dites qu'est-ce qu'on va mettre à la place, maintenant on sait ce qu'on ne veut plus. Je sais pas, sur la question du consentement, sur la question des fantasmes, quelles pistes sont lancées, quelles choses vous avez l'impression vous avez réfléchi avec d'autres personnes, des personnes avec qui vous dialoguez aussi sur Instagram, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'enrichit au fil des années, là, depuis quelques années? En fait, l'idée, c'est aussi de réussir à faire cette révolution dans nos esprits sans remplacer un modèle par un autre. Donc, c'est ça la difficulté de l'exercice, mais par contre, c'est intéressant parce que pour moi, le travail, il est d'étudier le champ des possibles. Par exemple, sur le consentement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais attends, mais c'est horrible, parce que du coup, si tu peux demander, enfin, s'il faut demander à chaque fois que tu fais un truc, c'est pas du tout sexy, etc. » Et en fait, c'est faux. Je pense qu'il y a un gros travail de la part des personnes qui produisent de la culture, de la part des scénaristes, de la part des chanteurs, chanteuses, musiciens, etc., pour essayer de dans les romans aussi, justement, en fait, il y a vraiment ce travail-là de rendre le consentement sexy. Et par exemple, en fait, le fait de... Et on commence à le voir un peu dans les séries, des personnes qui disent « j'ai envie de toi ». En fait, dire « j'ai envie de toi », c'est une manière de demander le consentement de la personne. Et en soi, c'est pas quelque chose de hyper rédhibitoire, tu l'amour, etc. Donc, je pense qu'il y a cette question-là, vraiment, de comment
intégrer le dialogue en fait et la communication dans les rapports sexuels de manière agréable. Moi, ce que je dis souvent, c'est aussi en fait, on peut parler de sexualité en dehors des moments où on est en train d'avoir des rapports sexuels, parce que ça permet aussi d'être dans un truc avec un peu de distance et parler de ça avec son partenaire, c'est aussi une manière de pouvoir aborder des thèmes en amont, de dire « Ah, j'aimerais peut-être essayer ça » ou « Ah, j'ai lu telle chose qui parle de tel truc, peut-être que ça peut être intéressant de le voir comme ça, etc. » Et je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur la centralité de la pénétration. Enfin, je veux dire, en fait, toute mon éducation sexuelle qui a été faite par Diffoul sur Skyrock et Jeune et Jolie et Cosmopolitan et des magazines féminins, en fait, tout a été centré autour de, un, du rapport avec des hommes cisgenres, et de deux, autour de la pénétration. En fait, il y avait vraiment ce truc-là de, il y a des préliminaires qui précèdent l'acte principal qui est la pénétration, et puis on va avoir une pénétration, et après on va avoir un orgasme simultané au bout de 10 minutes. Et c'est un schéma qui fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, et pas pour beaucoup. Et en fait, c'est intéressant aussi même de repenser qu'est-ce qui fait qu'un acte sexuel se finit. Est-ce qu'un acte sexuel, ça se termine forcément par un orgasme? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'en fait, on peut faire l'amour toute une journée, dans le sens, commencer, faire une pause, faire autre chose, regarder un film, reprendre? En fait, ça peut être plein de choses différentes. Et je pense que ça, c'est un travail qui est pas mal fait aussi dans la pornographie. Je pense au travail, par exemple, de Olympe de G qu'on a dans notre série... et de plein d'autres, en fait, femmes réalisatrices de porno qui, en fait, te montrent des... Élise, ça devrait être clair. Il y a Erika Lust qui a fait, par exemple, un court-métrage sublime qui, à première vue, est assez dégoûtant, entre guillemets, parce que c'est une femme qui a ses règles et un vampire qui vient lui faire un cunnilingus. Mais, en fait, la manière dont elle a filmé fait que, tout d'un coup, c'est quelque chose qui devient envisageable et beau. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là à faire sur les scénarios qu'on a et sur ouvrir son champ des possibles. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va arrêter de faire le schéma sexe oral, missionnaire et éjaculation de l'homme. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut être au courant qu'on peut faire d'autres choses et qu'en fait, il faudrait... Pour moi, je pense que c'est plus intéressant d'envisager sa sexualité et ses rapports sexuels comme un terrain, un laboratoire un peu d'expérience. Et quand je dis ça, c'est plus dans le sens de ne pas se mettre la pression sur une performance, mais plus d'essayer des choses avec, par exemple, des contraintes de type on va essayer de ne pas faire des pénétrations cette fois-ci, ou on va essayer de se concentrer sur une zone sur laquelle on n'a pas l'habitude de se concentrer, etc. Plutôt que d'être sous cette pression un peu de « il faut avoir une sexualité heureuse, épanouie », et ça se passe comme ça et pas autrement, quoi. Et puis, il y a aussi ce truc-là de pas forcément avoir des rapports sexuels fréquents. En fait, c'est pas grave. Surtout que ces normes-là, en fait, ça a été aussi prouvé que beaucoup de femmes ne prenaient pas de plaisir dans ces schémas-là aussi. Enfin, il y a aussi ce besoin de redécouvrir... nos plaisirs, etc. Tu parlais aussi, vous parlez aussi dans les documentaires, dans le livre, de la question des fantasmes aussi, d'assumer ces fantasmes, de les regarder comme tels et de réfléchir à ce qu'on en fait, en fait, sans honte et même de les enrichir, en fait. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant sur la question des imaginaires, de ce qu'il y a dans nos têtes et de rapport au corps et aux rêves en même temps. Enfin... Ouais, mais c'est hyper intéressant de voir comment il était... forger ces schémas sexuels, un peu ces scénarios qu'on est supposé suivre, quand on sait justement qu'il y a ce qu'on appelle le fossé orgasmique ou l'orgasme gap, c'est-à-dire à savoir que les femmes cisgenres, donc en fait les femmes hétérosexuelles ont moins d'orgasmes que les femmes cisgenres homosexuelles, et elles ont moins d'orgasmes que les hommes de toute façon, mais en fait c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça permet aussi de briser ce mythe comme quoi de 1 la pénétration serait l'orgasme le plus super, parce qu'en fait bah, visiblement ça fonctionne moins bien, et aussi le fait que l'orgasme féminin serait un orgasme mystérieux, difficile à atteindre, capricieux, etc. Parce qu'en fait on le sait très bien, quand on a une vulve, généralement la masturbation fonctionne très très bien et pas forcément le rapport avec l'autre. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là de déconstruire et de dire en fait non, c'est pas ça, c'est juste que
on nous a poussé à faire un scénario et à avoir des pratiques sexuelles qui ne sont pas les pratiques sexuelles qui nous qui mettent notre plaisir au centre de ce rapport, en fait, tout simplement. Élise, vous peut-être, pour faire le lien justement sur la question des règles, il y a beaucoup de choses qui font écho aussi sur le rapport au corps, sur l'immense tabou autour des règles, enfin, d'ailleurs qui n'est pas du tout encore levé, et sur le fait qu'on ne parle pas ou qu'on ne pense pas, il y a tout un impensé autour de cette question-là. Et dans vos deux ouvrages, que ce soit sur les règles ou Mes ancêtres les Gauloises, finalement, votre imaginaire, ce serait peut-être se réapproprier son histoire, se réapproprier l'imaginaire du passé, ce qu'on a voulu nous cacher pour mieux se connaître, et aussi se réapproprier son histoire personnelle, un peu la grande histoire et la petite histoire, ce serait un peu ça à réimaginer. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette rencontre entre l'aventure personnelle et l'aventure collective, et de quelle manière on peut se réinventer et réinventer des possibles collectifs. Mais ça suppose effectivement une réappropriation de notre expérience, sans parler de nos savoirs, et de se les autoriser. Et dans ce sens-là, par rapport à ce que tu disais, Elvire, le tabou des règles a un rôle très important dans les freins qui nous sont opposés pour exprimer notre désir. Pourquoi ? Parce que comme je le raconte souvent, en fait, à partir du moment où on a nos premières règles, on est désigné comme femme. Et on est désigné, et ce qui nous désigne comme femme est quelque chose qu'on représente et qu'on dit peu. D'abord, on le dit peu. Il y a beaucoup d'interdits autour de ça, mais c'est honteux et dégoûtant. Hein, tu disais tout à l'heure, oui, il y a un film. Au début, il peut être dégoûtant puisque ça représente un cunnilingus vampiricus, qui est pourtant un truc super. Et pourquoi ce serait dégoûtant? Pourquoi le sang menstruel est dégoûtant et pas le sperme? Ça veut dire quelque chose. Mais ça a surtout un impact, ça nous conditionne vraiment en tant que personne. On ne va pas avoir nos règles une fois de temps en temps, on va les avoir pendant 40 ans à peu près tous les mois. On va avoir ce sang qui s'écoule et on va se sentir en délicatesse avec nous-mêmes. On va avoir un rapport à nous, à nos désirs, comme étant potentiellement et légitimement susceptible d'être rejeté, simplement parce que on a nos règles. Et ça crée un rapport à soi. Il y a plein d'impacts, il y a des impacts sociaux, il y a évidemment que ça affecte l'estime de soi que d'être... Et ça nous fait intérioriser ce sentiment d'infériorité. Et je pense que ça a un rôle extrêmement puissant dans l'oppression dont les femmes continuent d'être victimes et dont on se dit toujours, elles représentent la moitié de l'humanité, plein de droits ont été acquis. Comment se fait-il que reste ce frein? Et moi, je me suis dit, peut-être que ce frein, il est quand même avant tout intérieur. Donc, ça a un impact social, un impact psychique extrêmement important. Quand même, d'intérioriser ce sentiment de dégoût vis-à-vis de soi, sans surprise, ça ne va pas faire en sorte qu'on se respecte soi-même et par conséquent, qu'on sache se faire respecter, qu'on sache poser les limites. Parce qu'en fait, il y a un tel hiatus entre ce qu'on ressent. Par exemple, sur la question de la douleur, on dit c'est dans votre tête, c'est dans ta tête, mais non, ça ne doit pas faire mal, ou si ça fait mal, c'est que tu as un problème. Et comme c'est quelque chose qu'on n'échange pas, moi c'est quand même hallucinant, sur la question des règles du corps, de la sexualité, j'ai des amis extrêmement proches depuis l'enfance. J'ai découvert après avoir écrit mon livre que plusieurs personnes dans mon entourage proche avaient souffert comme moi d'endométriose et que nous n'en avions jamais parlé. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas parler de ce vécu alors qu'il nous affecte, qu'il a un impact sur nous si important, qu'il va conditionner nos relations intimes, sexuelles, notre sensualité, puisqu'on va s'interdire de manière très périodique, très régulière, d'être à l'aise avec soi, ou de se dire dans notre réalité, parce qu'on ne peut pas dire « j'ai mes règles »,
on ne peut pas dire ce genre de choses alors que ça a de l'importance dans nos vies, et de se cacher pour ce que, encore une fois, pour ce qui sert à nous désigner comme femmes, eh bien ça va avoir un impact, y compris sur la restriction de nos imaginaires, bien sûr. Et justement, le fait d'écrire sur cela, qu'est-ce que ça a permis, peut-être pour vous personnellement, et puis de manière plus générale, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ouvre comme piste de tout ce que vous avez raconté dans votre livre? Je ne sais pas si vous avez des exemples particuliers en tête. Ça a été quelque chose de très important pour moi, de pouvoir raconter quelque chose d'intime sans être obscène. C'était pas facile. Je veux dire, je voulais pas faire spécialement des blagues. Je voulais faire je voulais pas non plus faire l'histoire de mes propres règles, qui est un terme que j'aime beaucoup employer, parce que évidemment parler de mettre propre et règles ensemble, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas l'histoire de ma vie qui importe là-dedans. C'est la manière dont je me disais, les personnes qui vont lire le livre vont pouvoir se dire, on peut se faire un récit de soi-même avec son corps et avec ses règles. Alors moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, ce n'était pas cette époque-là, ce n'était pas cette façon de le vivre. Mais d'une certaine manière, c'est un livre où c'est un récit que j'ai conçu de telle sorte qu'il puisse permettre d'autres récits que l'on fait en lisant un. Et pour moi, un livre, ça sert à ça, c'est d'ouvrir l'imaginaire des autres sur ce qu'on a vécu. S'autoriser à penser cette expérience de vie comme non pas le résultat de l'immanence. Tout ce qui concerne les femmes, c'est renvoyé à l'immanence, à l'animalité. Ce qui est des règles, la maternité, la ménopause, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet d'une pensée, qui n'est pas un objet de réflexion, qui est jugé digne. Et moi, je disais, ça fait partie de nos expériences, ça fait partie de nos vécus. Et oui, on a la possibilité de faire quelque chose de cette expérience. C'est une expérience existentielle, avec une culture, avec... une dignité, et c'est ça qui m'a importé de faire. Et dans le livre Mes ancêtres les Gauloises, là vous parlez de récits de soi, justement, c'est aussi ce que vous avez continué à faire dans votre livre Mes ancêtres les Gauloises, et là c'était plus un retour sur votre histoire qui vous permettait de tirer des fils dans la grande histoire, je pense à l'histoire des... celles qu'on appelle les cocottes, voilà, dont vous parlez dans votre livre, ou les Amazones. C'était un peu l'idée de tirer le fil de votre propre généalogie. Qu'est-ce que ça permet aussi, ça, encore une fois, de revenir en arrière? Je pense que vous parlez aussi beaucoup de votre position de femme blanche. Vous parlez de la question de s'intéresser à sa blanchité aussi, même si c'est encore des choses qui sont en réflexion, ce que vous expliquez dans le livre. Qu'est-ce que ça permet aussi en termes d'imaginaire, ça, ce récit de soi, ce retour sur les racines? Qu'est-ce que ça tire comme fil? Qu'est-ce que ça permet d'ouvrir aussi Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question, que ce soit pour les règles ou pour dans Mes ancêtres les Gaulois, sur la question des impensés, la manière dont je suis constituée par des impensés, des choses qui ne sont pas autorisées à penser. Et puis de réfléchir à la question de l'altérité quand on est une femme, on est l'autre. Hein, c'est française. Simone de Beauvoir l'a vraiment bien décrit en premier lieu. Revenir sur cet héritage, ça avait un lien avec aussi les règles et la question de la sexualité, puisqu'il se trouve que je suis descendante de plusieurs générations de femmes qui ont été des courtisanes, des cocottes ou assimilées à des filles perdues, des prostituées, et qui ont qui sont rentrées qui ont fait partie du mythe national. Et il y a beaucoup de mythes à défaire ou auxquels on doit se confronter à la rencontre de l'intime et du politique. Et je trouvais que celui-là était important. Il y avait des choses qui ont beaucoup compté dans mon histoire. Il y a effectivement la question de ce caractère illicite d'une sexualité
du 19e siècle qui ont fait hein, toute l'histoire de la France, du luxe, les petites femmes de Paris, toute l'aristocratie qui se précipitait, elles ont été à l'origine de toute une mythologie de la francité. Mais il y a une autre chose qui a aussi beaucoup compté dans l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, qui est aussi un impensé. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à pousser un petit peu plus loin au lieu de considérer ça de la même manière. Enfin, l'histoire personnelle, évidemment, l'histoire des femmes, elle est dans le mythe national, elle est complètement évacuée. Et j'avais envie d'ouvrir ce dialogue-là et de faire en sorte que, encore une fois, on se réapproprie la question de la généalogie, de nos généalogies, en y intégrant l'histoire des femmes qui est tout le temps tue et invisibilisée et aussi renvoyée à la solitude. Moi, j'avais envie d'ouvrir un récit collectif parce que très souvent, on est où dans le récit « je raconte ma vie » ou dans le truc désincarné. Et j'avais envie de faire cette rencontre-là parce que c'est ça dans nos vies qui se passe. On construit du collectif à partir de choses intimes, on construit des communautés, on construit des familles. Et tout le monde… et j'avais envie de montrer que c'est ce qui nous arrive à toutes et à tous, et qu'en revanche, politiquement, il y a une instrumentalisation de ces questions-là qui produit quelque chose qui se retourne contre nous en tant qu'êtres humains, hommes et femmes en particulier. Voilà. Et vous parlez de communauté, et justement, Fanny et Noël, c'est ce dont vous parlez dans votre livre, l'histoire de se faire communauté par soi-même, pour soi-même aussi, et de manière, une question politique en fait, et pas quelque chose juste de désincarné, justement. Et peut-être que j'avais envie de relever ce que Marie-Julie Chalut évoquait dans l'article, le premier article, je crois, dans le dernier numéro de la revue Assiégée que vous avez co-créé, où elle s'interroge sur qu'est-ce que c'est l'utopie, qu'est-ce que c'est l'utopie noire, et elle parle des lieux en fait, et l'histoire que vraiment elle pose la question quels sont les mondes que nous souhaitons, donc, elle en tant que femme noire, et évoquer aussi l'idée que l'utopie signifie ce qui n'est en aucun lieu, et que ça parle beaucoup pour les afroféministes, et cette histoire de lieu, de s'approprier un lieu, avoir un lieu à soi. Voilà, j'avais envie de vous interroger là-dessus, sur cette question d'utopie noire. Alors, c'est très important parce que souvent dans le vernaculaire, dans la façon générale dont on parle, on dit souvent « ah mais ça c'est utopique, ça c'est irréalisable, etc. » Et on utilise le mot « utopie » comme pour définir quelque chose qui serait trop. Que non, là c'est trop, là oui on peut demander un peu plus de liberté, mais là c'est un peu trop, alors que l'idée même de liberté, c'est qu'elle existe ou elle n'existe pas. Il n'y a pas cette idée de on doit demander un peu, soit on est libre, soit on n'est pas. Donc moi je dirais que là on est dans des situations où on est confortable, mais pas encore libre. Mais la liberté, soit on est libre, soit on n'est pas libre. Et il n'y a pas de un peu, de plus tard, de, et qu'il faut aller vers cette liberté. Et l'utopie définie par la pensée féministe noire ou la pensée noire radicale, c'est ce qui n'est pas, ou défini en général par les mouvements poétiques radicaux et révolutionnaires, c'est ce qui n'est pas possible actuellement au vu des conditions matérielles, économiques, politiques et sociales. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si ce n'est pas possible actuellement au vu des conditions politiques, économiques et sociales de la superstructure, comme diraient les marxistes, ben, il faut changer ces conditions-là et faire en sorte que ce soit possible. Donc, il s'agit de ça, d'avoir l'utopie, utopie politique, des utopies radicalement. Moi, j'ai une utopie féministe noire, black feminist comme utopie, dirige et cadre mes pas et ce que je fais vers pour le changement de ces conditions politiques, matérielles et sociales, et pour que cette situation devienne possible. Mais ce n'est pas possible maintenant. Et alors, qu'est-ce que c'est cette utopie afro-féministe
votre utopie afroféministe, Fania? Moi, je pense que le premier point, c'est de sortir du cadre. C'est de sortir du cadre de référence, de ce qui est possible d'imaginer, ce qui est possible de faire, ce qui est possible de ressentir et d'expérimenter. Et je pense que mon utopie, c'est quelque part où on peut avoir un rapport à soi-même, un rapport au monde et un rapport aux autres qui ne soit pas médiatisé ou dont le médiateur ne soit pas la domination, la constante compétition pour les luttes de place, de positionnement et le transfert de richesse, de bonheur et de ressources aussi. Donc ça a l'air un peu vague comme ça, mais ça dit beaucoup de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une expérience humaine, qu'est-ce que ça veut dire, parce que en fait il y a bien sûr les systèmes économiques, politiques, mais il y a les en moyenne entre 60 et 90 ans que les êtres humains passent sur Terre, et qu'est-ce qu'ils expérimentent pendant cette période. Et ça, c'est important. Et moi, je suis un peu une sociologue relationnelle, donc je crois beaucoup aux théories de l'interaction et relationnelle. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer de ces relations aux autres. Et je ne parle pas au terme individuel, parce qu'on fait de la politique, et je ne parle pas moi et ma relation avec mon facteur. Je parle vraiment à la norme sociale qui fait qu'on a des types de relations qui sont via un médium l'échange basé sur le positionnement et la domination, et qu'on le veuille ou pas, on participe, on peut résister, il y a des poches de résistance, mais tant que le système il est en place, on va continuer à participer à ça, vu qu'on va pouvoir avoir des places et des positionnements au vu de notre capacité à se rapprocher le plus possible de ce qui est vu comme la norme de l'humanité. Et là, dans un contexte de globalisation de la race, du néocolonialisme, du capitalisme, c'est être ceux qui représentent le pouvoir. Plus on s'en rapproche, plus on peut défendre sa place et son positionnement au-dessus des autres. Donc, je pense que l'utopie, ce serait penser à comment le but dans notre existence, c'est pas juste de se faire une place, de la conserver et de l'arracher aux autres et de la faire au détriment des autres. Ça, c'était votre premier point. Est-ce qu'il y en a un autre sur votre utopie? Mon utopie, elle est radicalement antiraciste et antipatriarcale, et elle est globale et solidaire, parce que je pense qu'on est arrivé à un point de globalisation. On a vu pendant le Covid, c'est une des premières fois, on va dire, qu'on arrive dans un point, même si le Covid n'est pas vécu partout pareil, mais où on peut savoir en Haïti, au Sénégal, en France, en Norvège, la même chose. Et ça va être très, très difficile de faire des bulles. Moi, je ne crois pas aux bulles, ni je pense que les communautés utopiques auto-organisées, etc. Je trouve que c'est très bien. Mais je pense que tant que le système il est comme il est, c'est des choses qui sont extrêmement éphémères et extrêmement fragiles. Et faire de la poétique, c'est justement sortir de la fragilité, de la précarité, les organisations et les moyens de s'organiser qui sont de libération. C'est-à-dire qu'on doit sortir, parce que quand on est militante, afroféministe et féministe et militante en général, on fait des petits trucs bricolés, mais c'est très précaire. C'est parce que ça dépend d'un changement de gouvernement. Un petit vent et c'est parti. Une recyclerie, il suffit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas et ça s'effondre. Donc, on doit sortir de la précarité les rapiéçages qu'on fait. Et pour sortir de la précarité les rapiéçages qu'on fait, il faut le rapport de force, faire de la politique, s'organiser politiquement, créer un rapport de force, résister, tenir la ligne, surtout en ce moment avec les retours, le renouveau et le rebranding des réactionnaires de tout bord, de tout poil et de tout genre sur les questions, tenir la ligne, se démarquer et faire des
des positions qui se démarquent des tentatives de récupération par le capitalisme néolibéral, mais aussi par des idées qui seraient réformistes. Alors, ce qu'il faudrait, c'est une libération totale. Donc, je pense que c'est important pour la politique de faire ça et de transformer radicalement. Et on transforme la société par la politique, en faisant de la politique. Et ça ne veut pas dire la politique électorale, gouvernementale, je parle de la politique en termes de l'organisation collective avec un agenda, un objectif et une idéologie qui met en mouvement les personnes vers un but commun et qui crée du rapport de force, parce que le rapport de force, ben, ça aide à faire avancer les luttes, mais ça crée aussi des retours de bâton. Je pense qu'on assiste actuellement en France à une sorte de retour de bâton sur certaines questions, sur les questions, on a vu, décoloniales, mais intersectionnalité, etc. Et c'est ça, la politique, ça va, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ce que vous écrivez dans votre livre aussi, c'est le rapport de force aussi qui est important pour vous vis-à-vis de l'État, en fait. Peut-être que vous vous démarquez oui. d'autres féministes à ce niveau-là. C'est la question de dire qu'on attend, de féministes ou de groupes militants de gauche. Voilà, c'est on n'attend pas de l'État qu'il y ait plus d'État, puisque pour nous, l'État est violent. Enfin, voilà, il y a la question de la violence de l'État vis-à-vis. Notamment des personnes racisées, etc. Donc, il y a ça aussi qui, en termes de rapport de force aussi, vous inscrivez à ce niveau-là. Oui, parce que, en fait, moi, je pense que je m'inscris dans... Enfin, peut-être j'ai une petite fibre anarchiste, on ne sait jamais, mais je pense que l'État, surtout l'État actuellement qu'on a vu depuis une 67 années, l'État néolibéral qui fait que les intérêts de la bourgeoisie sont... collude avec ceux des intérêts de l'État et que la transformation néolibérale en nuance, on va dire, avec le capitalisme classique, c'est que les néolibéraux ont compris que, en fait, c'est pas moins d'État qu'il faut, c'est plus d'État, mais plus d'État qui défend ses intérêts. Et on voit bien que le but, c'est d'infiltrer l'État et de faire que ils ont plus besoin de combattre l'État vu que l'État défend leurs intérêts. Et l'État ne peut pas défendre deux intérêts. Il ne peut pas défendre l'intérêt de la bourgeoisie et l'intérêt des personnes qui ne font pas partie de la bourgeoisie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réconciliable. C'est un antagonisme perpétuel et indépassable. Donc, je pense qu'investir dans l'État comme une façon qui pourrait nous libérer dans ce contexte-là, dans un État qui n'a pas été... Je pense que dans d'autres contextes, c'est possible. Les États qui ont été construits comme en opposition à des systèmes de domination, comme pour l'autodétermination, mais la création et la façon dont l'État, surtout les États occidentaux, sont faits et sont basés liés avec le capitalisme, l'exploitation, le colonialisme, je ne vois pas comment cet État peut être un médiateur de libération pour quelques groupes marginalisés que ce soit. Et je pense qu'il y a une auteure, une philosophe marxiste, de la pensée marxiste et du féminisme matérialiste, Nancy Fraser, qui parle aussi de la question de que ça peut être un piège de juste vouloir déléguer à l'État ce qui devrait être pensé en organisation collective et sociale. Et c'est ce dont je parlais plus tôt quand je disais qu'il était important de sortir du cadre de référence. C'est pas où pris dans les logiques néolibérales capitalistes de privatisation où on confie notre existence à l'État. C'est pas ça. Il y a pas. On peut faire autre chose. On peut avoir d'autres modes d'organisation qui ne reposent pas à déléguer nos existences à l'État, à des fonctionnaires ou à des représentants politiques. Ou à des personnes qui s'en servent comme de nos forces de travail. Et sortir du cadre de référence, c'est penser des imaginaires féministes qui repensent le mode d'organisation de la société, le mode d'organisation, mais aussi de distribution du pouvoir, de distribution de la parole, de distribution de comment on décide collectivement de notre avenir politique, des modes de décision. Et je pense que le capitalisme, le système en place fait en sorte que
ils nous disent il n'y a que ça qui est imaginable. Et plus ça va, plus ce qui est possible devient petit. Donc, on a eu, ce qui est imaginable, c'est la démocratie représentative. Il faut avoir un représentant et après, il faut que ce représentant, il ait fait telle ou telle école. Après, il faut que ce représentant, il ait telle et telle année. Et ensuite, chaque année, ça se rétrécit. Maintenant, notre choix, c'est, ah non, en fait, vous n'avez pas le choix, il faut juste que vous votez pour pas que l'extrême droite passe. Donc, le choix est se rétrécit plus les formes de libertarisme autoritaire avance, c'est-à-dire un conservatisme sécuritaire et idéologique et sur le plan social, politique, avec la police, l'armée, etc. Et un libéralisme débridé sur le plan économique. Et plus ça avance, plus nos choix sont limités et plus on nous dit qu'on n'a pas le choix, qu'on le veuille ou non, il faut travailler jusqu'à 70 ans, qu'on le veuille ou non, c'est le monde qui demande ça, il faut que la sécurité sociale rembourse moins, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas accueillir tout le monde, donc il faut des gens en centre de rétention administrative et bientôt, je pense, qu'on le veuille ou non, le genre doit être ancré, et qu'on ne peut pas penser ni parler de choses comme la grammaire ou l'histoire, parce que c'est l'histoire et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça et on ne refait pas l'histoire, comme si les gens pensaient qu'on allait retourner dans le passé pour refaire l'histoire, mais on peut refaire ceux qui ont fait l'histoire au départ et ce qui ont choisi de retenir ce qui était légitime ou pas. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment ça, dépasser le cadre. Peut-être une dernière question, c'est sur la question de l'imaginaire. Justement, vous dites comment on tient l'imaginaire féministe. Alors très concrètement, c'est quoi que vous avez envie de tenir jusqu'au bout et très concrètement que vous tenez jusqu'au bout? L'éthique, je pense que... Mais s'il y a une chose, même si je pense qu'en fonction, ça dépend aussi de... du temps que les gens y militent, des rencontres qu'ils font avec des théories, parce que c'est toujours, on est toujours sur les épaules d'autres personnes, que ce soit qu'on fait de la recherche ou qu'on fait du militantisme, c'est-à-dire qu'on ajoute, il y a des gens qui ont conceptualisé des choses importantes, et après, de génération en génération, on affine, on ajoute, on articule, parce que le monde social, c'est ça qui est un et deux. Sûrement, ça va tout le temps faire 1 plus 1 va tout le temps faire 2, j'imagine. Mais les analyses sur le monde social, elles changent en fonction des configurations, elles mutent, elles ne sont pas pareilles, etc. Et je pense que tenir la ligne, ça veut dire tenir au fait de garder la pensée critique au vu des mutations. Et ça, c'est important parce que ça évite de tomber dans des pièges où on voit, enfin, dans des pièges, on va dire dans des pièges ou dans ce qui fait de nous le côté de nous le plus réactionnaire. Donc il faut lutter contre la facette de nous. Il y a des gens qui ont plus de facettes réactionnaires que d'autres, mais les facettes réactionnaires de nous qui veulent plus de police, plus de prison, plus de surveillance, plus de contrôle, moins de droits pour les autres et plus pour nous, etc. Donc il faut lutter contre ça et lutter même quand, et ce sont des formes subtiles, même quand c'est des formes qui peuvent être justifiées, on va dire, et légitimées par des discours féministes, par de la théorie féministe, par des discours intellectuels. Et ça, il faut appliquer une pensée critique. Et quand je dis qu'il y a des personnes qui sont tombées dans ce piège de pas constamment faire les allers-retours avec la pensée critique et la réactualisation de ça, on arrive à ce qui s'est passé, j'imagine, c'était hier, c'est ça, où voilà, parce que certaines féministes sont allées manifester contre en pointant du doigt des travailleuses du sexe, alors que dans le système dans lequel nous sommes, en termes que ce soit de priorité ou de sujet politique et de domination politique, bon, je suis sceptique. Donc voilà, donc je pense que la ligne que je souhaite tenir en tant qu'afroféministe, mais en tant que militante en général, c'est quoi qu'il arrive, même si j'arrête de militer pour de vrai, mais en tant qu'individu, critical thinking. Je pense que la pensée critique, ça peut sauver des vies, comme le féminisme permet, comme l'éthique féministe permet d'avoir des belles amitiés avec des femmes, permet d'avoir un autre rapport non compétitif avec des femmes et permet d'avoir
d'avoir une affection. Et je pense que le féministe développe l'affection des femmes entre elles, de la vraie affection, c'est-à-dire de l'empathie et de l'affection. Et justement, c'est ce que vous encouragez aussi à développer, Elvire, dans le manuel d'activisme féministe. Il y a vraiment des astuces très concrètes, par exemple, pour des lycéennes, des collégiennes, pour mettre en place des actions, je ne sais pas, mettre en place une boîte à règles dans les toilettes, bloquer un lycée pour contester contre telle ou telle chose dans le règlement, la question des jupes portées par les filles, etc. Ça aussi, pour mêler un peu, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais mêler un peu la question du très concret, du rapport de force justement à instaurer, comme vous disiez, Fania, et puis la question de la joie aussi militante, c'est ça, c'est des choses très concrètes, faciles, rapidement, et aussi faire par soi-même tout de suite. Enfin, j'étais étonnée aussi des outils que vous donnez, et puis des personnes qui les mettent en place, qui discutent un peu avec vous aussi sur Instagram. C'est on fait tout de suite et par nous-mêmes, on n'attend pas, je ne sais pas, d'être en lien avec une asso féministe ou on y va, c'est des petits outils, on peut le faire vite et ça avance, quoi. Urgent. En fait, j'ai l'impression que parfois la théorie peut être un piège. En fait, c'est à la fois hyper nécessaire parce que justement, comme disait Fania, ça permet aussi de se construire et puis ça s'ajoute et ça affine notre pensée critique. Mais il y a aussi le fait que parfois, du coup, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui n'osent pas commencer à militer parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, parce qu'elles ne sont pas complètement sûres, parce qu'elles ne veulent pas dire de bêtises, etc. Et parfois, c'est aussi bien de dire « bon, ben, en fait, on y va » parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir qu'on devrait toutes et tous avoir accès à des protections périodiques, par exemple. Et en fait, il y avait vraiment cette idée-là de dire on sait que parfois, choisir l'association auprès de laquelle tu vas militer ou la trouver, parce qu'en fait, pour toutes les personnes qui habitent pas dans des grandes villes, elles se sentent hyper isolées. Ça peut être compliqué, ça peut être impressionnant, et l'idée, c'était vraiment de se dire, enfin, de donner des outils très concrets d'activisme en disant, en fait, tu peux y aller toute seule aussi ou avec ton petit groupe d'amis. Et en fait, les petites initiatives peuvent aussi avoir de grands impacts. Je pense par exemple justement à la boîte à règles où en fait c'était pas du tout quelque chose. Enfin, moi j'avais jamais pensé à cette idée et c'est des collégiennes en fait qui nous ont contactées sur Instagram en disant nous on veut installer une boîte à règles dans notre collège mais l'infirmière scolaire ne veut pas. Et donc en fait à la base ce qu'elles voulaient c'est que nous on fasse un peu du bruit, un call-out pour mettre la pression au lycée, enfin au collège. Et du coup, on a essayé de leur donner des éléments d'argumentation pour voir. Je lui ai dit, va voir ta CPE, parce que peut-être que la CPE sera d'accord. Si la CPE n'est pas d'accord, allez voir les parents d'élèves. Enfin, en fait, c'était mettre à disposition des serviettes hygiéniques. Oui, voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir simplement une boîte en carton dans les toilettes dans laquelle les personnes qui ont des protections en plus puissent faire des dons pour que celles qui n'en ont pas, qui sont en panne, etc., puissent se servir. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on a documenté tout ce processus-là qui a duré 2 semaines sur l'Instagram de Clit Révolution. Et en fait, ce que ça a donné, c'est des centaines de collégiennes, lycéennes qui, à leur tour, ont été dans leur administration, qui ont monté ces initiatives, etc. On a aussi des profs et des CPE qui s'y sont mis. Et en fait, je trouve ça hyper beau dans le sens où c'est pas grand-chose, entre guillemets. Et en fait, ces 3 collégiennes, elles avaient juste un petit bout de carton. Enfin, c'est hyper simple à mettre en place. Mais en réalité, ça a véritablement déclenché quelque chose dans plein de collèges, plein de lycées. Et je trouve ça hyper, hyper puissant de sortir un peu de cette admiration qu'on peut avoir pour les activistes les plus médiatisés pour se rendre compte qu'en fait, on peut, nous aussi, avoir des actions qui ont un impact fort sur une échelle locale, mais qu'en fait, cette échelle locale, elle peut ensuite s'agrandir. Et c'était pour ça, en fait, que nous, dans le guide d'activisme, on avait vraiment envie de donner des méthodes à la fois très variées, c'est-à-dire, ça peut être des choses en groupe, comme des choses sur Internet, enfin, que ça corresponde, en fait, aux différents types de personnalités. Ça peut être comment bloquer, organiser un blocus, comment organiser une pétition virale, faire une parodie, etc. Et en fait, l'idée, c'était vraiment
de pouvoir offrir un panel d'outils expliqués par des activistes qui elles-mêmes ont utilisé en fait ces méthodes-là, et je trouvais ça important, et en fait ça a marché parce que on a vraiment pris plaisir à avoir beaucoup de retours de personnes qui, notamment dans les collages, en fait, qui me disent, bah, en fait, j'ai rejoint les collages en voyant, ou j'ai monté un groupe de collages dans mon village, dans ma ville. Et ça, c'est hyper plaisant, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi un manque d'accès à... On a eu très peu de transmission militante. Et pourtant, c'est des outils qui sont très importants, parce qu'en fait, c'est important de savoir comment faire valoir tes droits. Et c'est aussi des outils et des actions qui sont source de joie, en fait. Voilà, une fois qu'on a réussi à faire même une action, une petite, entre guillemets, action dans un collège, voilà, il y a quelque chose qui s'empare, voilà, il y a quelque chose de puissant qui s'empare des personnes qui mettent en place ces actions. Dans le livre, comme vous disiez, vous parlez aussi de celles qui ont précédé et qui ont déjà commencé depuis bien longtemps, des actions aussi comme ça, dont vous parlez aussi, Élise, de beaucoup hein, dans votre prochain livre là, qui sort demain, voilà, de la joie militante, des actions joyeuses, drôles, et qui sont source d'empouvoirment, si on le dit en francisant, dans le livre, vous parlez dans le livre de portrait de Françoise de Beaune que vous faites et qui sort demain, vous parlez beaucoup de ça aussi. On a effectivement eu très peu de mémoire des histoires qui ont été, par exemple, celles des engagements féministes des années 70. Tu parlais, Elvire, tout à l'heure, il y a eu comme une espèce de pause pendant un certain temps et un défaut de transmission. On se rend bien compte dans l'action politique que un des moyens ou une par lesquels la magie réactionnaire et capitaliste s'exerce sur nous, c'est de couper nos liens. Alors, les liens de transmission, nous couper nos singularités, couper nos affects, nous priver de la possibilité de faire groupe, de faire communauté. C'est comme ça que l'oppression s'installe, s'inscrit, s'impose dans nos vies. Et c'est, on parle beaucoup aujourd'hui d'un féminisme trop radical, trop excessif, etc. Quand on voit le parcours de Françoise Daubonne, qui est la pionnière de l'écoféminisme, et pas seulement d'elle, mais de celle de sa génération, et on se rend bien compte que oui, effectivement, on n'a rien obtenu, jamais, en étant poli, gentil et respectueux de l'ordre établi, qu'il faut commencer par être irrespectueux de ces normes, et que le caractère central de sa pensée de féministe et surtout d'écoféministe, c'est de penser la question de la hiérarchie et de la norme. La norme hétérosexuelle d'une part, mais pas seulement, et la hiérarchie quand même, c'est quelque chose qui nous est imposé, dont nous sommes bombardés absolument en permanence à travers des normes irréalistes. Pour moi en tout cas, ce qui importe pour libérer ces imaginaires, c'est d'abord de trouver à s'autoriser hein, la possibilité de reconnaître la valeur de nos expériences, comme le disait Fania, de nos affections, de nos liens, de reconnaître de la valeur à ce qui nous a précédé. Tu parlais d'être assis sur les épaules de quelqu'un. Il y a cette dimension-là de retrouver la valeur de nos liens. Toute la société capitaliste et patriarcale, elle est fondée sur les divisions et les additions. Même la pensée rationnelle, le ratio, c'est le fait de compter. De penser plutôt nos liens, nos unités, nos joies, nos ressentis. Il faut savoir qu'aucune oppression ne s'installe sans le déni de nos ressentis, de nos sensibles, de nos sensations. Et le déni est là, et cette oppression, elle s'impose toujours par la violence. Donc on a, un, pour libérer ses imaginaires, besoin de se libérer de cette violence et de se réparer en interne en renforçant nos liens, en renforçant nos ressentis, en défendant le droit aux sensibles. Ce qu'il y a derrière la question du consentement, c'est ça. Ce qu'il y a derrière le désir,
de dire nous sommes des êtres sensibles, nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des cibles marketing, nous ne sommes pas des instruments, des soldats, des catégories. Voilà, nous avons droit à l'infinité des possibles, séparément et ensemble, mais surtout ensemble, parce que séparément, nous n'existons pas et on est pris dans un écosystème. Et c'est ce que raconte d'une certaine manière avec tous ces excès, parce qu'il faut de l'excès pour sortir d'une oppression de ce niveau-là, de quelque chose qui va coloniser nos esprits. Le terme est fort, mais ça commence comme ça, qu'on accepte toutes les autres formes d'oppression et les autres formes de hiérarchie, et être toujours en résistance, mais aussi en invention. D'avoir cette audace de sortir du cadre et de s'inventer d'autres vies, d'autres possibles ensemble. Fania, ça me fait écho à une phrase qu'il y a dans votre livre aussi, c'est s'aimer personnellement et politiquement. Oui, les deux, je pense qu'il y a... Parce que je pense qu'il y a il y a vraiment des discours néolibéraux et qu'on voit souvent de commodification, il faut vous aimer, l'amour de soi, et après on va vous faire des coachs, et après vous aurez un tips pour vous apprendre à vous aimer, etc. Et c'est utile, individuellement, il y a des choses qui sont utiles, mais politiquement, ça veut dire en tant que sujet politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des discours qui disent que vous devez penser vos intérêts comme part d'un groupe, vous devez les diminuer. Pour penser de vos intérêts subjectifs ou le court terme ou pour plaire, pour dire que vous n'êtes pas comme les autres. Par exemple, il y a beaucoup de... moi, je pense que dans les discours qu'on voit des femmes qui disent « Ah non, moi, je n'ai pas d'amis femmes, j'ai que des amis hommes, etc. » comme si c'était une marque c'était un trait de personnalité et de caractère. Je pense que c'est justement ça, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'amour en tant que sujet politique, parce que je ne vois pas, vu comment le système est organisé là, comment on peut être épanoui émotionnellement en n'ayant pas de relation amicale avec d'autres femmes, surtout quand on est une femme dans des relations interrelationnelles, pour avoir un support système quand ça va mal. Et il y a plein d'études qui montrent que les hommes ne savent même pas comment être amis, que la masculinité fait qu'ils ne savent même pas comment être proches entre eux. Donc, je ne sais pas comment ils font pour être amis, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment, cette question-là. Et s'aimer politiquement, ça veut dire avoir conscience qu'on fait partie d'un groupe plus large, un groupe social qui est objectivé, qui subit une subjugation, comme le groupe des femmes noires dont je suis partie, mais aussi des femmes, des noirs, etc. Et penser comment ça affecte nos possibilités, nos horizons, et comment on peut faire en sorte pour essayer de changer les choses. Et pour revenir sur ce que disait Elvire, je pense que moi, je considère le militantisme comme étant collectif et politique. Le jour où je ne suis plus dans une organisation, je ne suis plus militante. Je serai autre chose, mais je ne suis pas militante et je suis dans les organisations parce que je crois que le militantisme est quelque chose de politique. Je ne pense pas que ça donne qu'on soit au-dessus moralement ou pas. C'est juste que c'est quelque chose de spécifique et qu'on doit encourager l'organisation collective parce que être dans des organisations, c'est un vecteur d'apprentissage extrêmement fort, et c'est des choses que on n'apprend pas ailleurs. Et je peux le dire comme étant une militante, mais maintenant qui est universitaire, il y a des théories qui sont brillantes, mais en fait l'applicabilité n'est pas possible pour plein de raisons qui ne sont pas liées au système, mais qui sont liées aussi que les individus, c'est compliqué, et que la science des individus, que se veut la sociologie, en fait ça ne marche pas toujours dans l'action comme ça devrait être. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je voulais dire, c'était plus de l'ordre de... En fait, on peut mener des actions seules en étant dans le collectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, quand tu es isolée des autres féministes, quand tu es isolée des grandes associations, etc., et que, en fait, tu as l'impression d'être
seule face à tout le monde, notamment dans ton lycée ou dans ton entreprise, etc., tu peux aussi agir et tu n'as pas besoin de forcément avoir rallié un groupe, etc., pour essayer de militer. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais je pense que c'est important de dire que, voilà, que tout le monde, que la mise en mouvement, et je pense qu'il y a des mises en mouvement collectives qui ne demandent pas la coprésence. Je pense que on peut, si on est zélé, faire des choses, être loin, et je pense que Covid a vu ça, que la plupart des organisations féministes maintenant, elles sont à distance sur Zoom, etc., mais on organise collectivement quelque chose. C'est-à-dire que même l'idée de collectif en coprésence, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en ligne qu'en coprésence de faire des choses, de créer des liens, mais l'idée aussi de solidarité internationale, de liens, c'est qu'on n'est pas en coprésence, mais qu'on va vers le même but sans être dans la même pièce ou même dans le même pays ou sur le même continent, mais mobiliser, mettre en mouvement, mobiliser les volontés d'agir, c'est le cœur du militantisme, c'est le cœur de la politique, et créer des rapports de force et gagner. C'est important, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, mais il faut gagner. C'est important de gagner. Il faut lutter, mais il faut gagner aussi. On va devoir conclure, et je trouve que c'est super de pouvoir conclure sur ce mot-là, gagner. Juste, je prends une minute pour peut-être vous demander, il y avait une question d'une j'allais dire auditrice, mais ici on se voit aussi, sur peut-être en quelques mots chacune, qu'est-ce qu'on a nommé, il y a des mots qui sont réapparus dans le langage, comme le mot vulve, etc. Et elle demandait, qu'est-ce qui reste à nommer selon vous? Est-ce que vous auriez envie de dire un ou deux mots qu'il faudrait nommer, qu'il faudrait voir plus présents dans nos imaginaires justement féministes, afroféministes? Le bien-être en dehors du fait d'être propriétaire, d'avoir un canapé et Netflix. Elvire peut-être, ou Élise? Moi, je n'ai pas d'inspiration, mais parce que moi, je suis justement une personne qui a énormément de mal à mettre des mots sur les choses. Donc, je ne serai certainement pas la personne à l'origine de cette... Je ne peux pas répondre à cette question. Non, moi non plus, ça me... Ça ne vous inspire pas. On a déjà dit beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, j'en profite pour répondre aussi à la deuxième question, même si je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. Donc, c'est Diala qui me demande la question du rôle de l'audio comme outil qui réinvente les imaginaires. Et c'est vrai que... donc, elle me posait la question que c'est pour moi la radio, les podcasts sont un outil absolument extraordinaire pour le féminisme, les féminismes, parce qu'on est libéré de l'image, mais il y a quelque chose des émotions, comme vous dites aussi, Élise, la question des émotions qui peut passer vraiment de manière très charnelle. On écoute un podcast, c'est très intime, ça rentre dans le corps, les sons, les voix, les accents, les silences. Il y a quelque chose de quand même d'intime dans l'écoute d'un podcast et de politique forcément. Et je pense que c'est une expérience en soi d'écouter des témoignages, d'écouter des réflexions, d'écouter des poèmes. Et encore une fois, les différences de voix, les différents accents, ça participe aussi de faire entendre une multiplicité de voix, et puis de reconnaître les violences sans être dans la victimisation ni dans le sensationnalisme, mais de pouvoir les entendre réellement. Enfin, on parle beaucoup de révolution de la parole, on est beaucoup à dire que c'est surtout une révolution de l'écoute, et que je pense que les podcasts permettent d'accompagner cette révolution et de la rendre sensible, de la rendre de se réapproprier nos émotions aussi par cette écoute, voilà. Et je pense aussi Charlotte, je pense que c'est pas anodin non plus qu'on voit la mobilisation du capitalisme sur la nouvelle époque du capitalisme sonore, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des prédictions que la télé, les écrans allaient tuer et les livres et la radio, et on voit que en fait trop d'écrans fait qu'on a des troubles de l'attention et que les gens sont plus portés vers l'audio, et on voit la mobilisation
de plein de secteurs du capitalisme pour la captation du temps de cerveau disponible et du temps auditif disponible pour réinventer les coupures pub, etc. Alors qu'ils pensaient qu'on allait être devant nos télés, mais bon, le streaming a changé quelque chose, donc on n'a plus d'intention de regarder des téléfilms coupés par la publicité et on voit ça. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux outils et plateformes qui sont investis par des luttes, ils sont juste derrière comme des boutons. Donc, il faut continuer à lutter et gagner. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci, je vais rendre le... Je ne sais pas comment on dit, pas l'antenne, mais je vais laisser la parole à Sébastien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Sébastien, oui. Voilà. Vous êtes là. J'avais peur que vous ne reveniez pas. Me voici de retour. Merci encore. Merci beaucoup, Charlotte Bien-Aimée, pour l'animation de cette rencontre. Et bien sûr, un grand merci aussi à nos trois intervenantes, Fania Noël, Elvire Duvel-Charles et Alice Thiébaud, d'avoir partagé ses constats, ses expériences sensibles et aussi ses utopies politiques. C'était absolument passionnant. Alors, je remercie aussi nos collègues de la régie et du service de la communication qui ont permis que cette rencontre puisse se passer dans d'excellentes conditions, très confortables, donc en direct et en ligne. Je remercie aussi nos partenaires de ce cycle de rencontres qui nous accompagnent et qui partagent l'information depuis le mois de janvier, donc partenaires qui sont le mensuel Cosette et la newsletter en ligne Les Glorieuses. Le replay de cette rencontre va être disponible sur le compte Facebook de la BPI immédiatement après la fin de ce direct, donc n'hésitez pas à retourner le revoir. Et vous pourrez retrouver le replay en vidéo aussi d'ici quelques semaines sur la web télé de la BPI, donc sur le site de la BPI ainsi que sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque publique d'information. Et puis pour celles et ceux qui veulent poursuivre les thématiques de cette rencontre, n'hésitez pas à aller aussi sur le site de la BPI pour télécharger la bibliographie sélective qui a été concoctée par nos collègues. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.